Pour moi, la RSE, c'est une philosophie de vie. On doit la partager avec ses salariés, et si le dirigeant lui-même n'est pas capable de transmettre ses convictions et ses envies à ses salariés, la RSE en tant que telle, elle n'existe pas. Le Fonds Tourisme Durable, c'est un fonds d'aide en financement auprès des entreprises, qu'elles soient TPE ou PME, auprès des hébergeurs de tourisme, mais également des restaurateurs. Et ça leur permet d'investir dans des projets liés au développement durable. On peut aller du compacteur mécanique à la cuve d'eau, aux véhicules électriques, à des travaux d'isolation. Mais en termes de fourchette de prix, on va aller à partir de 5 000 euros et jusqu'à environ 200 000 euros. J'ai pris conscience que l'ADEME, c'était surtout un bon accompagnateur, au sens où l'ADEME, ce n'est pas seulement une institution, c'est aussi des gens qui apportent des conseils, un regard sur un métier. L'ADEME m'a averti, par exemple, de la possibilité de pouvoir financer un véhicule 100% électrique, d'investir dans une borne qui, en plus, avait un double effet, c'est-à-dire un effet à la fois personnel pour nous, pour notre propre besoin, mais aussi pour notre clientèle locale, et que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir vraiment envie de réduire notre empreinte carbone et faire le maximum pour que cette planète aille mieux, parce que cette planète, elle nous appartient tous et c'est notre bien commun.